Thump. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 928 de One Piece, l'entrée en scène de Laurent Komurasaki. Petite page de couverture où nous avons Franky qui nous fait un petit spectacle. On se retrouve donc à la carrière, là où est située la prison. Luffy se fait donc remercier par le grand-père qui l'a sauvé, qui est au passage le doyen des prisonniers, le grand-père Iyo. Il lui dit merci de m'avoir sauvé, c'était il y a 2 ou 3 chapitres il me semble. Luffy, comme d'habitude, sa grande bonté qui nous dit « j'ai agi sur le moment, c'est pour ça, et tiens, je te donne les petits tickets repas pour que tu manges. » On a donc Raizo qui débarque. Il a déjà dû rencontrer Luffy au vu des paroles de Luffy qui nous dit « Raizo, comment ça a été ?» Donc en gros, nous explique qu'il a découvert où se situe la clé, mais que c'est gardé par des gardiens, et que la clé est dans un coffre en granit marin. Et là, on a donc Caribou qui débarque, enfin, parce que on l'avait vu, mais il était resté dans le coin en décor. Et là, il entre en scène. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire? Bon, déjà, il appelle Luffy boss. Puis aussi, à la fin, il lui demande un petit geste pour des kibi d'Ango. Et bon, Luffy lui dit, t'as qu'à travailler, toi, t'es en forme. Et là, Caribou commence à nous dire des choses intéressantes. Il paraît que ces menottes en granit marin sont fabriquées de façon à pouvoir travailler avec. Mais là, je n'arrive presque pas à bouger. Moi, je m'étais fait la réflexion qu'avec des menottes en granit marin, soit comme au début, Luffy, par exemple, bah, quand il est dans l'eau, ou comme avec Smoker qui lui mettait son... je sais plus, son espèce d'arme blanche, bah, il était tout mou, quoi. Bah. Et quand on était un peu plus entraîné, ça faisait, par exemple, la Robin, tu pouvais juste tenir debout, puis trottiner, entre guillemets, mais rien de bien méchant, tu pouvais pas faire de folie, quoi. Alors que là, bah, il travaille. Apparemment, les menottes-là, elles sont juste là pour t'enlever ton pouvoir de fruit du démon et un peu t'affaiblir, mais que t'aies toujours un minimum de force pour travailler. Bien sûr. Caribou qui nous dit si tu me donnes à manger, je me mets à ton service, blablabla. Je suis ici depuis longtemps et je pourrais t'apprendre des choses. Il nous dit donc tu veux t'évader, pas vrai, prends-moi avec toi, je pourrais t'aider, etc. Blablabla. Si je fais équipe avec toi, je ne crains plus rien. Et le fait qu'il y aurait Torque, t'as qu'à faire équipe avec l'autre ébouriffé. Donc l'autre ébouriffé, ça doit être Kid. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Mais avant ça, on a un petit rappel sur Caribou, qui est un rookie à plus de 100 millions de berries, prime 210 millions. Entré récemment dans le Nouveau Monde, il a tenté de prendre la tête de Luffy par le passé sans succès. En même temps, il s'est fait one-shot par Peckham, c'est alors qu'il hypothèse le Luffy. Alors il nous dit non, lui il a pas ta réputation. On raconte qu'il a voulu défier Big Mom, mais qu'un subordonné lui a arraché le bras. Et qu'il s'est enfui. Luffy qui nous dit une simple rumeur. Et là on voit un truc qui lui arrive au niveau de la tête. Bon, on se doute bien de qui c'est. Kid. Alors, fort intéressant. Je n'ai jamais cherché à prendre la tête de Big Mom. Tout ce que j'ai fait, c'est encaisser les coups d'un de ses suite commanders. Donc reste à savoir qui, ça serait bien. Peut-être Smoothie, parce que c'est la seule qui n'a pas eu de combat. Katakuri Luffy. Luffy Cracker, c'est la déglingue rouge. Et rouge, il a battu le snack. Donc peut-être Smoothie, pourquoi pas. Pour m'emparer de ce dont j'avais besoin, effilé. Qu'est-ce qu'il a pu s'emparer? Peut-être un poneglyph? Je ne sais pas. Peut-être que Big Mom, quand elle a dit j'ai quelque chose à récupérer, peut-être que c'est elle a appris que c'était que Kid qui avait volé quelque chose et qu'elle est au courant et qu'elle est dans la prison là. Ou est-ce que c'est toujours Zeus comme on le pensait, ou est-ce que c'est encore autre chose? Reste à savoir. Et donc, ce bras gauche, je l'ai perdu lors d'un affrontement contre l'équipage du Roux. T'as encore d'autres questions? Et maintenant, c'est le tour de Kaido et c'est moi qui vais le vaincre. Non, ça sera moi. Bon voilà, on retourne sur l'éternel débat avec un petit caribou en fond qui a peur, qui a une drôle de tête. On arrive donc à la capitale des fleurs où la... j'ai oublié son nom, Komarushi, je sais pas trop quoi, qui va arriver pour continuer son défilé. Et là on a des brigands, des vieux, qui attendent Komurasaki. Mais quel est l'objectif de ces vilains brigands contre cette belle fille? On a donc un... je sais pas ce que c'est, un samouraï, un garde... qui a une sorte de... une arme comme Barbe Blanche et Weeble, hein. Je sais plus, j'ai oublié le nom, en plus il y en a un qui me l'a dit il y a pas longtemps, j'ai déjà oublié, excusez-moi. Il y a 3-4 pages où on nous explique l'histoire. Je vais résumer ça parce que ça va être un petit peu embêtant à détailler les pages. En gros, c'est une michto la meuf là. Elle se met bien avec des petits vieux, elle leur dit « Oh nana, Orochi-sama, je suis malheureux chez lui, mais si vous pouviez me racheter, ça me ferait plaisir de vivre heureux avec vous, nanani, nanana. » Donc le vieux, bah, il se dit « Oh la vache, la meuf, toi, elle est jolie, elle aime bien un vieux comme moi. Vas-y, je vais tout faire pour la choper. » Donc le gars, il vend, il hypothèque sa maison, il vend même sa famille. Au final, quand il va arriver et dire « Komurashi, enfin, je sais plus, on va l'appeler la Michto, j'ai tout l'argent pour vous. » Et bah, il lui rigole au nez et lui dit « Dégage. » Tu m'as donné ton argent, je l'ai dépensé, moi. » Et donc, on arrive sur la découverte de son visage. Je vais pas dire qu'elle est moche, mais elle est pas spécialement belle, la meuf, là. Moi, je préfère largement Robin. Hein.
Pareil, bon, Hancock, elle est encore plus jolie, mais bon, c'est pas le débat de savoir si je la trouve jolie ou pas, la meuf. Là, je vous donne mon avis, parce que Sanji, il a les yeux en cœur, etc. Bon, lui, c'est compréhensible, mais il y a même Franky Usopp et même tout le monde qui sont ébahis, mais moi, je la trouve pas spécialement belle, la meuf. Enfin, bref. Première courtisane de Wano, Komurasaki Laurent. Elle marche sur des talons aiguilles, mais... Enfin, pas des talons aiguilles, c'est des tongs aiguilles, ça, parce que elle doit faire au moins 40 cm, le machin. Donc, on a les grands-pères qui lui disent, hein, traîtresse, etc. Elle, elle dit, jouez les pauvres. Et que pour elle, les hommes, riches bien sûr, ils servent juste à en profiter, voilà donc. Et notre Komurasaki arrive au niveau du palais de Orochi. Pourquoi pas au prochain chapitre, les voir discuter ensemble. On arrive donc au Kuri, village d'Amagisa, où il y a Otama qui demande à Momo-kun s'il a une petite sœur. Et bah Momo-kun nous répond que oui. Si l'on m'a confirmé la mort de ma mère, personne n'a vu celle de Iori. Je suis donc certain qu'elle doit être en vie quelque part. J'espère que tu pourras la retrouver. Moi non. D'ailleurs, Momo qui est en train de s'entraîner, c'est cool, ça prouve qu'il va peut-être avoir quelque chose qui va faire 2-3 petits combats qui... Enfin, je le dirais complètement, c'est juste pour meubler le décor, mais bon, on n'en sait rien. Si jamais l'identité de Iori est dévoilée, elle sera menacée par Orochi. Nous ne reverrons qu'une fois la victoire acquise, une résolution mise à l'épreuve. One Piece, chapitre 928, fin. Bon, chapitre cool, pas d'action, mais bon, c'est pas grave, ça va arriver, prenons son temps. Moi, je suis déçu, encore une fois, Zoro. Je ne sais pas où c'est qui est, je vous dis, moi, écoutez-moi bien, même si c'est rien à voir avec le chapitre, Zoro va le revoir, il va se taper quelqu'un, il va le découper en rondelles, là, King ou Orochi, préparez-vous. Bon, voilà, c'était le côté fanboy. J'ai toujours une petite liste sur ma review des choses à dire, et je vais te mettre en avant Zoro, donc là, j'ai réussi, enfin bref. Moi, ce que j'aime bien dans le chapitre, c'est Kid qui nous raconte un peu comment qu'il a perdu son bras, qui s'est tapé contre un Sud Commander, et qu'il a juste encaissé des coups pour choper quelque chose. Donc, moi, je partirai sur Smooth. Même si on s'en moque complètement, mais bon. Mais bon, ça prouve que Kid, il me semble que j'ai vu ça je ne sais plus où, peut-être dans des databooks qui sont parus, je ne sais quoi, mais Kid apparemment il aurait une prime de 500 millions de berries, un truc comme ça. Mais bon, au niveau de la puissance, je pense qu'il doit valoir un peu plus comme Luffy, parce qu'ils ont tapé, enfin, je sais pas s'il aurait pu gagner son combat contre le Sweet Commander, mais si c'est juste laissé faire pour choper un truc, c'est qu'il quand même... devait pas avoir un écart de fou, donc Kid a pas sous-estimé. Mais bon, comme avec Luffy, ils sont toujours à des années-lumière de Bad Kaido, comme ils veulent le faire, l'entendre. Kid est déjà supérieur à Law, là, sûr et certain. Bon, la Miss Wano Kuni, là, c'est une Michto. Il y en a qui avaient peut-être déjà fait le lien, je sais plus si j'ai déjà entendu ça, excusez-moi s'il y en a que je connais que vous avez dit ça, de pas m'en souvenir. C'est vrai que pour le coup, on nous parle de la Michto, et juste après, Momo qui nous parle de sa sœur Iori, puis juste avant on a la Michto, donc pourquoi pas que la Michto serait sa sœur, et Momo précise que si elle est toujours en vie, elle aurait 26 ans en ce moment. Pourquoi pas se dire que ça collerait, parce que la meuf, elle a l'air d'avoir 26 ans, comme par hasard. Chapitre cool, rien de spécial à dire. On apprend quelques petites informations qui sont pas mal. Le caribou a surveillé quand même, parce que si ça se trouve, il a... vraiment des petits détails qui pourraient aider à la fuite. Et pourquoi pas Caribou dans la grande alliance des Mugiwara, Tokunie. Parce qu'il dit boss. Ou c'est juste le temps de mettre Luffy dans son sac. Puis après il se carapate quoi. Enfin bref. Chapitre agréable. Que l'action revienne s'il vous plaît. Mais super chapitre quand même. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.